Coucou mes fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour vous demander pardon. Pardon par rapport à cette longue absence, pardon par rapport à cette longue période de silence. C'est juste parce que, comme je vous ai expliqué la dernière fois, je suis en train de préparer les funérailles, l'enterrement funérailles de mon grand-papa. Et comme il était un digne fils de ce village, c'est son enterrement et son funérailles doivent se faire à des périodes vraiment déterminées par la chefferie de notre village. Donc c'est un peu ça, ça prend du temps. Et je crois qu'à mi-octobre, ça sera déjà derrière nous. Et on pourra reprendre les choses par le bon côté. Bon, aujourd'hui je viens dans cette vidéo pour... ceux-là qui sont toujours dans des situations critiques, ceux-là qui sont toujours dans qui traversent des moments difficiles. Il y a déjà plein d'astuces dans des vidéos aussi. Cette chaîne, c'est une petite pharmacie, une mini pharmacie pour vous. Donc, consultez cette chaîne, prenez le temps de passer vidéo par vidéo et vous allez voir que la solution à votre problème est ici. Que ce soit problème d'ordre spirituel, que ce soit le problème de santé, la solution est dans cette chaîne. Je crois qu'en 2024, on prendra encore les devants en parlant des astuces pour nourrir la santé, des astuces pour garder le corps en bonne santé physique et en bonne santé spirituelle. Alors, vous là qui avez toujours ces blocages-là, je vous invite à faire le bain de sel. Je répéterai encore. Je vous invite à faire du bain de sel. Comment faire le bain de sel? Que ce soit le sel de cuisine, que ce soit le sel de mer, que ce soit le sel gros grain, que ce soit le sel gemme, prenez ce sel. Vous mettez dans votre seau de bain, vous mettez de l'eau dedans, vous remuez trois fois et vous récitez sur ce sel le psaume 35, le psaume 91. La nuit, lorsque vous voulez déjà aller vous coucher, vous récitez sur cette eau. Et ensuite, vous vous lavez avec. Vous vous rincez avec. Après cela, vous laissez l'eau sécher sur vous et vous partez vous coucher. Faites-le régulièrement pendant 7 jours. Faites-le régulièrement. Ou pendant 7 jours, ça dépend de vous. Faites-le. Et vous allez avoir les débuts de solutions à vos problèmes. Vous allez vous débloquer vous seul, vous-même. Et en plus, il y a encore l'herbe qu'on appelle l'hysope. L'herbe qu'on appelle l'hysope, ce n'est pas compliqué. Cette herbe est citée dans la Bible, qui plus encore dans un psaume. Alors, là on dit, lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Cherchez cette herbe dans les boutiques ésotériques. Ici en Afrique, allez dans des marchés où on vend des plantes, demandez l'hysope. Vous allez venir nettoyer cette hysope, vous allez bouillir cette hysope ou vous allez faire une tisane de cette hysope. Donc, vous mettez l'eau à ébullition, vous retirez, vous trempez l'hysope de l'intérieur et dès que ça tient, vous enlevez l'hysope, vous partez, vous rincez avec cette eau. Vous mettez du sel à l'intérieur. Après avoir enlevé l'hysope, vous mettez une poignée de sel, gros grain ou sel de cuisine, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous avez devant vous. Vous mettez cela dans votre eau de bain et vous faites vos prières, vos vœux. Si vous voulez encore sucrer l'addition ou saler l'addition, faites le psaume 35 et 91 là-dessus. C'est tout. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué et je crois que vous aurez la solution à vos problèmes. Je crois que vous aurez... vous-même, vous allez faire vos propres combats. Vous allez me dire sur cette chaîne qu'est-ce qui se passe dans vos rêves? Bah, parce que le combat commence là. Ne croyez pas que vous êtes en train de rêver. C'est votre vie que vous menez dans ce rêve-là. Arrangez juste votre route. Faites des dons. Faites de l'aumône. Faites des bonnes actions. Et vous allez voir que plus tard, ces bonnes choses reviendront vers vous comme par enchantement. Et pourtant, c'est l'effet boomerang. Qui donne reçoit, qui cherche trouve, c'est ça.
La vie est composée de deux côtés, du positif et du négatif, de lui et du non, l'homme et la femme, qui donne, reçoit, qui cherche, trouve, ainsi de suite. Alors, menez votre vie telle que vous voulez que votre génération, votre lignée soit. Qui fait du bien à soi. Qui fait du mal à soi. Sur ce, je vous dis à bientôt. Avant qu'on se sépare, j'ai une astuce pour vous. Non, je reviendrai dans la prochaine vidéo pour vous donner cette astuce au somme. J'ai dit, jusqu'à la fin de septembre, toutes les astuces que je donnerai, ce sont les astuces au somme. Les psaumes qui sont là dans le livre saint sont des paroles de puissance, sont des paroles de bénédiction, sont des paroles de combat. Alors, à la prochaine vidéo, ne manquez pas, ne ratez pas, surtout car le meilleur est à venir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos actions, que Dieu bénisse vos projets, que Dieu comble de grâce toute votre famille et remplis votre vie d'abondance. Ciao, à bientôt. Bisous à vous. Hey.